et deux équipes qui font donc partie du dernier carré dans cette compétition extrêmement prestigieuse. J'arrive même pas à imaginer la pression que tu dois avoir quand tu vas jouer un match de ce niveau. L'équipe, aidée par l'entraîneur, c'est donc un 4-5-1 classique hein, que l'on va retrouver dans cette formation. On pense qu'il finit mieux pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Voici donc la composition de l'équipe. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif. La perte du monde. Sur cette action. Le bon appel de balle. Mathieu Cornet. Oh, ça ne veut pas. Attention, on peut reprendre l'avantage. Oh, il dit. Le but intervient suite à une première intervention du gardien qui n'a pu que. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. La bonne passe dans l'espace. Ça roule. Ouais. On est dans une phase de conservation de balle. On a bord.